congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pèse à Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va le pèse à Francine Ngembe. Bonne matinée à vous tous, très chers Congolais, très chers Africains. Dimanche, je n'ai pas eu assez du temps d'être avec vous parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Je voudrais brièvement aborder un tome d'une importance extraordinaire, le tome de culte de la personnalité. Il est fréquent et permanent dans nos pays africains. Où ceux-là qui sont au summum de la politique et ceux-là qui ont réussi dans la vie sont couverts des honneurs, des appréciations que parfois ils ne méritent pas. Il n'y a pas longtemps, le président de la République du Congo, Kinshasa, Monsieur Félix Antoine Tshilombo, venait de rentrer au pays après un séjour, je pense, d'une dizaine de jours à l'étranger, laissant derrière lui son pays fumant dans la pauvreté et la misère indescriptible. Eh bien, ses collaborateurs, pour lui témoigner un indéfectible attachement, ont organisé un accueil délirant lors de sa descente de l'avion à l'aéroport de Kinshasa, qu'ils appellent l'aéroport international d'Ngili. Les représentants du peuple, les élus du peuple, soit dites élus du peuple, les députés, et peut-être les sénateurs et beaucoup d'autres gens ont été des forces embarquées dans des bus comme des écoliers pour aller accueillir leur président qui revenait avec des bagages et de mal de dollars et d'autres monnaies fortes à l'étranger. Mais une fois à l'aéroport, le peuple n'a pas vu ce mal d'argent. Ils n'ont vu qu'un géant descendre de l'avion, un obèse, et qui a causé l'embouteillage sur l'unique artère principale qui mène vers l'aéroport. Et c'était tout. Il n'y a personne qui est contre les honneurs. La Bible que vous aimez la plus en parle même dans Lévitique 19. Verset 32, ou peut-être aussi l'Exode 20, verset 12. Quelque part, on dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Cela signifie que votre Dieu
n'est pas contre l'honneur, nos pères, nos ancêtres non plus, n'ont jamais été contre l'honneur. Mais l'honneur doit se mériter. Et pour mériter cet honneur ou ces honneurs, il faut travailler, se distinguer dans le travail. Le bon travail, qu'on le veuille ou pas, reste la base et la seule source d'enrichissement de quelqu'un ou d'un peuple. Quand quelqu'un travaille mieux et fortement et méthodiquement, il produit des richesses. La même chose avec une collectivité, un pays qui est mieux organisé, si le peuple travaille, ils produisent des richesses qui créent leur bonheur. Et quand le bonheur est là, on peut maintenant célébrer. On peut être couvert des honneurs parce que on déguste les fruits de sa sueur, comme cela est dit dans la Bible. Mais quand on n'a pas travaillé et qu'on se mette à déguster les fruits du travail des autres, c'est un vol, c'est un honneur immérité. C'est l'escapade vers la gloire qu'on ne mérite pas. Et quand vous suivez nombreux discours de ce malheureux de président, il a osé dire aux Congolais, mes voyages ramènent plus de millions de dollars au pays que le peu que je dépense comme frais pour ce voyage. Je vais à l'étranger pour chercher des investisseurs. Je vais à l'étranger pour que ces investisseurs viennent créer de l'emploi au pays. Mais le Congo est au bas de l'échelle où le chômage bat son plein. Ces investisseurs, pendant ces presque 3 ans, on ne les voit pas au pays. Ce mal de dollars et de devises étrangères, on ne les voit pas, messieurs Félix et tes compagnons. Ces entreprises que tu promets aux gens qui seront créées, on ne les voit pas. Et pourquoi embastiller les gens, les corrompre même, pour aller accueillir quelqu'un qui échoue? Tu nies que tes voyages ne sont pas une villégiature. C'est le contraire de ce que nous voyons. Tu vas réellement en villégiature, tu vas en vacances, tu vas te faire prendre des photos, tu vas déguster tous les mets du monde pendant que tes compatriotes crevent. Monsieur Félix et tes collaborateurs, vous ne méritez pas ces honneurs, vous ne méritez pas ces gloires. Le culte de la personnalité, nous l'avons connu pendant les 32 ans ou les 33 ans du fait président Mobutu Sese Seko. On organisait des gens comme on venait de le faire pour toi, pour la circonstance, pour aller l'accueillir chaque fois qu'il voyage, chaque fois qu'il revient du voyage. Il y a des caravanes, des gens qui vont à pied juste pour dire au revoir à quelqu'un, à un dictateur, à un tyran qui ne fait rien. Et tu veux ramener les mêmes pratiques, les mêmes méthodes du président Mobutu, où tu nous affiches les fanatismes d'un petit cercle de gens de ta tribu. Tu nous affiches l'orgueil, l'arrogance, le zèle et l'excès de zèle. Et tout cela se résume dans
la vanité. Il y a trop de vanité. L'arrogance. Il n'y a rien que tu fais. Tu manques l'altruisme, l'amour envers les autres et le respect envers les autres. Tu peux beau amasser cet argent. Tu es mortel comme tout le monde. Et le malheur est que nous finissons tous par mourir et à laisser tout ce que nous avons amassé illégalement, tout ce que nous avons volé. Mobutu a laissé des milliards. Il croyait qu'en pillant le Congo, les produits de pillage prolongeraient sa vie. Malheureusement, à un certain âge, il a quitté ce monde et c'est fini. Et il en sera de même avec toi. Ne joue pas à l'hypocrisie, messieurs. Il n'y a personne qui t'a demandé de devenir président. Peut-être tu l'as fait par défi pour prouver à tes anciens collègues, là où tu restais, que quand bien même que tu n'es pas allé à l'école, un jour tu es devenu président. Tant mieux. Mais cette tâche d'être président demande beaucoup à faire. Au lieu de créer le bonheur pour tous, tu passes ton temps dans des voyages pendant que ton pays n'a rien. Qu'est-ce que le pays bénéficie? Où sont tes investisseurs? Les gens n'ont pas de courant dans un monde moderne, n'ont pas de l'eau propre. Dans un siècle moderne. Non, pas de route. Mais entendre les chiffres de détournement d'argent par tes prédécesseurs, par toi et par tes collègues, ça donne de la migraine à la tête. Alors pourquoi ce culte de la personnalité? Tu voudrais nous montrer quoi? Que tu es qui? Que tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire en toi? Ta taille? Ah ben, on dit très souvent, la taille ne fait pas l'homme. Tu es un vaurien. Toi et la plupart de tes collaborateurs. Vous ne valez absolument rien. Vous êtes une armée de voleurs et de menteurs. Et nous allons vous chasser du pouvoir si vous avez la chance. Mais le programme est de vous appréhender, de vous juger et de vous exécuter. Vous n'êtes pas différent des nazis dans les années 40-45. Vous méritez un véritable procès comme celui qui s'était passé à Nuremberg. Et je pense qu'un tel procès se répétera au Congo par les Congolais eux-mêmes, où nous allons vous arracher les langues et les dents et les yeux et nous allons vous manger. Vous voulez qu'on vous adore. Vous voulez qu'on vous vénère. Et vous corrompez tous les médias du monde et du Congo. On vous parle, on vous appelle Fatshi Béton. Qu'est-ce qu'il y a de bétonnage en toi? Tu n'es qu'un filou. Et pour terminer, je voudrais adresser un mot à M. Bitakwira. Bitakwira, ne sois pas naïf.
Tu as œuvré avec Hippolyte Kajambere Kanambe, les voleurs, les menteurs et les meurtriers du peuple congolais, l'assassin de Laurent Désiré Kabila et le massacreur des Hutus et Tutsis du Rwanda. Il n'y a pas longtemps, tu léchais le cul de Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila. Aujourd'hui, tu voudrais convaincre les gens que tu es passé dans l'opposition et tu as fait des déclarations, oh, combien fondamentales et applaudissables. Et en un tournement, aujourd'hui, tu viens nous dire que tu as l'ambition de devenir gouverneur de la province du Kivu. Ce n'est pas toi qui veux devenir gouverneur de la province du Kivu. Sûrement, les Tutsis ont eu peur de tes propos antérieurs. Ils t'ont gratté au dos ou à l'épaule et ils t'ont dit, eh, monsieur, cesse cette déclaration. Et si tu chômes maintenant, ben nous, nous sommes capables de te confier un poste d'être gouverneur. Mais ne tombe pas dans la naïveté, monsieur. Les Tutsis ne tolèrent pas. Tu les as déjà blessés. Et si tu oses devenir gouverneur, ou s'ils te nomment gouverneur, parce que ce sont après tout qui nomment les gens au Congo, ils vont te tuer. Tu seras empoisonné. Autre chose qu'ils poursuivent aussi est que s'ils font de toi un nouveau gouverneur de Kivu, ils croient que tu as un magnétisme de rassembler autour de toi toutes les factions combattantes du Kivu. Parce que tu es du Kivu, tu vas facilement attirer tous les maïmaïs que tu as appelés ba groupe et ba guruguru yango. Ce sont tes petits combattants qui sont dans la forêt. On croit que toi, tu as un magnétisme de les attirer parce qu'eux aussi seront naïfs de croire que c'est notre frère qui est devenu gouverneur. Sortons tous de forêt pour combattre et après ils vont se mettre à les aiguiller. Ne sois pas attiré par cette nomination. Tu as assez eu d'argent. Monsieur, tu as travaillé avec le régime d'occupation. Vous tous, vous avez pillé le Congo, vous avez massacré le peuple. Tu ne représentes aucune crédibilité. Mais pour ta survie, j'aimerais que tu continues dans l'angle de l'opposition, si réellement tu es opposant, ou peut-être tu voudrais t'infiltrer parmi le peuple. Reste dans l'angle de l'opposition jusqu'à ce que Libération soit faite. Et ceci émane de moi, Vib, Jomadar Vib Kilkilele, pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimpavita, de Kimbangu, qui n'avait jamais été en religieux et qui n'avait jamais créé une église, des Congolais martyrs et de tous les Congolais qui combattent pour que la nation congolaise vive. Bonne matinée à tous. Bon travail, Siliana. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Il va le pèser en France, il n'est